De poussin et a tendance à se cogner aux choses. Et moi je m'en cogne de ta petite chanteuse. Tu veux ce boulot, oui ou non? Miss Acacia? Bon, tu décides? Je réfléchis. Monsieur Méliès! Tu dois te comporter comme un joueur de poker. Tu as dans ton jeu une carte maîtresse. Le cœur. Oui, mais je ne sais pas jouer aux cartes. Tu es différente. Ta différence, c'est ta force, cette fragilité, cette horloge-cœur, tellement spéciale et tellement séduisant. Assume ta différence. Mon handicap comme une arme de séduction. Peut-être. Qué bonitos ojos tienes debajo de tus dos cejas, debajo de tus dos cejas. Qué bonitos ojos tienes y decirte mi hermosa que eres linda. Un seul baiser, même léger, pourrait te détruire. Je ne plaisante pas, Jack. D'un seul coup, clac, ses pieds sont terre. De la séduction, c'est de lui donner l'illusion que tu n'essaies pas de la séduire. Hé, hey, hola. Je me suis appuyé contre votre porte et j'ai atterri sur votre canapé. Et vous arrivez où d'habitude? Directement dans le lit ou sous la douche? Excusez-moi. On s'est pas déjà vu. Il me semble vous reconnaître. Me reconnaître? Bon, qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais vous offrir quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Un bouquet de lunettes. Ce ne sont pas mes fleurs préférées. Je ne porte pas mes lunettes. Avec ma petite tête, ça me fait ressembler à une mouche. Oh, ça me va très bien. Est-ce que l'on pourrait se revoir? Avec ou sans lunettes? Peut-être. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Oh oui, si, non, je travaille au train fantôme. Ah, très bien. Vous êtes donc le nouvel épouvanteur. Exactement. Je pourrais venir vous voir à l'œuvre? Ah oui, où ça? Bah, au train fantôme. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Demain? 16h? Parfait. Yeah.
C'était très bien. Félicitations. Merci. J'ai vraiment l'impression de vous connaître. On pourrait danser. Comme ça? En silence? Oui, comme ça. Pas de problème de rythme. D'accord. C'est quoi ce petit bruit? La pluie, vous aimez? La pluie, non. Mais son bruit, oui. Et je l'ai déjà entendu quelque part. C'est mon cœur. On me l'a confectionné le jour de ma naissance. C'est un peu bricolé, mais ça marche. Tu veux essayer? Là, c'est pour remonter, et là, c'est pour ouvrir. Non, je ne peux pas. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Commencer une nouvelle aventure avec toi sera malhonnête. Je ne peux pas, désolée. Je voulais juste savoir, est-ce que je le connais? Qui? Le garçon dont tu es amoureuse. Non, tu ne le connais pas. C'était Taïdambo. Cette ville géante, tu l'avais si bien. Il faisait un peu peur, mais je le trouvais rassurant avec son étrange silhouette. Je le connais, ton Roméo. Ce type est mauvais. Il m'a tout fait ridiculiser, brutaliser, humilier tous les jours devant tout le monde. Lui? Ah, oh, mais il n'aurait jamais fait de mal à une mouche. À une mouche peut-être, mais à moi, oui. Mais pourquoi tu t'es pas défendu? Il était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que moi. Tu dois faire la main sur la personne. Il devait faire ma taille, pas plus. Mais bien plus. Écoute, je n'ai vu qu'une seule fois, mais je suis certaine que ce n'est pas le monstre dont tu parles. Comment vous êtes-vous rencontrés? Il pleuvait sur Adambo ce jour-là. Le bruit de la pluie reste ma musique préférée depuis ce jour. Je chantais et j'ai entendu une voix qui m'accompagnait. On a dansé et j'étais bien. Tellement bien. J'ai quelque chose à te... J'ai quelque chose à te dire. Tu voulais me dire quelque chose? Oui. Bah alors, vas-y. J'aimerais bien te revoir demain. D'accord. Où ça? Au cinématographe. Ça te va? Ah oui. Alors? Elle est amoureuse de moi. Bravo, mon garçon! Merci, mais il y a un problème. Elle est amoureuse de l'autre, moi. C'est l'idée d'amour. J'aurais dû lui dire que j'étais depuis le début, mais il faut que tu m'aides à trouver un truc. Un truc? Je ne sais pas. Mais une idée, c'est possible. Jack? Hola! Restez là, restez là, bougez plus. Nous sommes allés d'un bout, le 16 avril 1984. Les bruits typiquement britanniques vaporisent le centre-ville. Elle danse comme un oiseau, en équilibre, sur ses petits talons aiguilles. Ses pieds commencent à s'en mêler, son joli nez vient de se creuser. J'adorais le bruit de la pluie, mais elle ne savait pas encore qu'il s'agissait bel et bien des battements de cœur de l'homme de sa vie. Ah, si seulement ce jour-là, il lui avait dit d'où venait vraiment ce bruit de pluie, sans doute quelques années plus tard, quand ce même Jack aurait traversé la moitié de l'Europe, elle l'aurait reconnu même sans lunettes, parce qu'elle aura cru en son cœur, et enfin, ils pourront s'essayer à l'inégalable magie intime de mélanger le rêve et la réalité. C'est bien toi le garçon dans mon rêve à Édimbourg. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite que c'était toi? J'ai eu peur que tu t'en souviennes pas. J'ai du mal à y croire. C'est avec cette clé que je me remonte. Sans elle, je m'endormirai pour toujours. Tu peux ouvrir, remonter, faire tout ce que tu veux. Tu es la clé, celle qui m'ouvre en entier. Tu peux visiter mon corps. De l'intérieur, appuyé sur mon cœur pour me faire pleurer et parfois même les banderies qui sont cachées entre tes cils peuvent me découper.
mêlés. Passe-moi partout sans rien oublier. Non, 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 rien oublier. Et parfois même ta langue brunit. Oh, mon horizon brunit, tu m'as repris. Mademoiselle Clé, Mademoiselle Clé, oh, 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 oh. Mademoiselle Clé, oh. Tout le monde t'attend au kiosque, tu es sur scène dans 5 minutes. On s'en va? Comment ça? Tous les deux, après ton concert, on prend la foudre des Scampettes. La foudre plutôt? Exactement, oui. Et on irait où? Je ne sais pas où, mais j'aimerais que tu dises oui. Tu payes. C'est moi qui me casse. Et tu vas faire quoi maintenant, vieille breloque? Décoration chez un horloger ou dans un cimetière? Ah, le cimetière, c'est une bonne idée. En plus, j'ai déjà une tombe. Fous le camp ici. Elle aime le vrai moi. Félicitations, jeune homme, je suis tellement content pour toi. Je passe la prendre après le concert et on file à l'Indienne tous les deux. Ah, à l'anglaise, tu veux dire? Oui, à l'anglaise aussi. En tout cas, merci pour tout parce que j'y serais jamais arrivé sans. Tu vas me manquer. Écris-nous, de temps en temps. On a aussi, on a aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je me suis dit, je vais passer voir Mamie Sacassia. Tu pars à nouveau? Oui, j'ai retrouvé mon amoureux de quand j'étais petite, Jack. On part ce soir. Tu pars avec lui? Félicitations. Tu as déjà dû remarquer qu'il n'était pas doté d'un cœur normal. Oui, j'ai noté. Son truc là. Eh bien, ce n'est pas un cœur, c'est une grenade, une bombe à retardement. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait les frais. Non, Jack n'a pas pu te faire ça. Il est incapable de faire du mal à une mouche. Sauf lorsqu'il perd le contrôle de son cœur et qu'il ne respecte plus les trois lois. Mais quelles lois ?